Ça tombe bien. Mais parlons, revenons à la Comédie française dont vous nous disiez un mot tout à l'heure. Oui, alors Martine Chevalier interprète avec, en très très bonne compagnie, Alain Motet, Jean Le Poulain et bien d'autres comme Michel Aumont et Claude Winter, de très très jolies pièces, trois pièces de Pinter. Alors, j'aimerais que vous, jeune comédienne du français, vous me disiez un petit peu cette atmosphère qui règne ici à Avignon, puisque c'est la première fois que vous y êtes. Je ne répondrai pas à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, c'est-à-dire, je commence bien, dites-moi pourquoi la Comédie française monte les Pinter, c'est pas mon rôle, c'est celui de l'administrateur Jean Le Poulain, vous m'entendez toujours, oui. Mais parce que je me sens un peu investie là du rôle d'ambassadrice, toute jeune ambassadrice, hein, j'ai pas encore un an de pensionnariat aux Français, mais simplement je dirais que ces trois pièces courtes, et comme le dit dans un court exposé Eric Kahan, ces trois pièces courtes font l'objet d'autres horizons pour Pinter. Ces trois pièces courtes sont montées par Bernard Murat, et formidablement montée avec beaucoup de noblesse et beaucoup d'acuité. Mais Martine, ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez si cet univers de Pinter, qui est un univers moderne... colle avec le cloître des Carmes, oui, c'est avec ça, ce cloître. Tout à fait. Tout à fait. C'est un ravissement, c'est formidable. Alors, un petit extrait de Un autre Alaska, ou une sorte d'Alaska, de Pinter, avec Claude Winter. La première pièce du cycle des trois pièces. Nous regardons. Ça doit être une tante que j'ai jamais vue ou une de ses cousines éloignées. Vous m'avez laissé de l'argent dans votre testament, ça tomberait à pic. Mais je suis Pauline. Mais si vous... Si tu es Pauline, tu as pris un poids considérable en très très peu de temps. Je vois que tu as laissé tomber tes cours de danse. Mon Dieu, tes seins ont poussé. Nous sommes des femmes. Vous êtes une femme faite, Déborah. Des femmes. Est-ce qu'Estelle va épouser ce petit rouquin de Town Street? Déborah, écoutez, vous n'écoutez pas. Écoutez quoi? Ce que votre sœur vous dit. Vous êtes ma sœur? Oui, oui. Mais d'où te viennent tes seins? Mais ils sont arrivés. Je suis plus mince, n'est-ce pas? Mais oui. Oui, je suis plus mince. Je vais courir jusqu'à la mer et me rouler dans les vagues. Je vais barboter dans toute cette eau.